Nikki? Nikki, debout! Réveille-toi, on a une nouvelle mission! Une cliente a écrit le code sur le tableau! Je te préviens, si tu te lèves pas, c'est moi qui viens de sortir du lit. Ok. Je t'aurais prévenu! Laura, combien de fois je t'ai dit de ne pas rentrer dans ma chambre? T'es sérieux? Alors que je t'ai fait couler un bain? Ouais, mais t'es marrante, toi. T'imagines si j'avais ramené une fille? Déjà qu'on est associés et colocataires, si on respecte pas l'espace vital de chacun, on va pas y arriver. Et tu mates encore les filles d'à côté avec ton fusil? T'as vraiment un problème avec les femmes? Je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais? Excuse-moi de lire. Faut que tu retournes voir le psy. Quoi, l'autre obsédé, là, avec ses dessins pervers? Bien. Que voyez-vous sur ce dessin? Dessin. Et là? Des fesses. Là, je vois des gens tout nus qui tirent à l'arc. Ah non, ça, c'est mes photos de vacances l'année dernière. Je vois pas ce que ça fait là. Bon, allez, dépêche-toi, elle va nous attendre. Mais non, t'es marrant, t'as vu le bordel que t'as foutu? Et tu vas me le payer pour le punching ball, hein? Pourquoi il y a une masse et de la colle dans la salle de bain? Ça? Ah non, ça c'est rien, c'était pour accrocher mon nouveau tableau. Il est beau, hein? Mais il est dégueulasse. Et t'as pas trouvé plus gros pour l'accrocher? Attends, tu rigoles, le mur est hyper coriace. À mon avis, c'est porteur. T'as pas autre chose comme musique? J'ai l'impression d'appeler Pôle emploi à chaque fois. C'est Mozart, espèce d'inculte. Tu sais au moins si la cliente est mignonne? Dans la baignoire, Laura. Super. Malheureusement pour toi, c'est complètement... Attends, attends!